Bonsoir tout le monde et bienvenue à Providence où on accueille The Authority contenant Seth Rollins, le champion intercontinental, mais surtout, surtout le gagnant du Royal Rumble, The Game, Triple H, qui l'a remporté la nuit dernière et il va affronter justement celui qui est arrivé numéro 30 mais qui ne l'a pas remporté et qui a été éliminé en dernier. Vous allez comprendre qui c'est, en tout cas The Game Era au Main Event de WrestleMania, affronter le champion de la WWE, donc vous dire quel spectacle ce sera, et il est accompagné évidemment de Seth Rollins, The Authority représente, et on va l'accueillir justement celui qui a failli gagner, ça aurait été bien pour sa carrière, mais il n'a pas pu, c'est The Man That Gravity Forgot, Adrian Neville, effectivement, donc un petit match entre The Game et Neville, histoire de les faire s'affronter puisqu'ils se sont déjà affrontés, mais c'était en Rumble. On va voir si Neville peut quand même montrer qu'il peut battre The Game, Triple H. Grosse soirée aussi puisque dans le main event, le King of the Ring, John Cena, car c'est John Cena qui a battu Sami Zayn, affrontera le champion de la WWE, The Beast Incarnate, Brock Lesnar, qui a pris le titre de The Rock d'une très belle manière. Nous aurons main event Brock Lesnar face à John Cena. En tout cas pour l'instant c'est Neville Triple H. The Game et Neville. On est parti entre les hommes. Neville, je suppose ce qu'il cherchait à faire. En tout cas un elbow et on passe avec une torsion du bras. Attention, oh, Triple H qui est passé derrière. Une très belle manière d'ailleurs. Attention Neville. Ouh, magnifique. Magnifique torsion du bras là. Faut jouer à armbar. Et Triple H qui arrive à s'en sortir. Félicitations. Et on est reparti. Belle démonstration pour l'instant de la part des deux hommes. Mais Neville qui repousse The King of Kings. Quel affront de la part de Neville. Qui enchaîne coup de pied. Il est à genoux le droit. Oh, le coup de pied sur le buste. Et puis encore. Et coup de pied toujours. The Game s'en est enlevé. Ou le dropkick qui n'a pas touché heureusement. Mais coup de la corde à linge qui touche lui par contre. Triple H, il met des droites sur la face de Neville. Ouh. Droite. Attention, Neville qui envoie Triple H. Ouh, spinning kick avec Rollins hein, qui regarde. Attention, la droite. Il est dans les cordes. La corde à large. Neville éjecté à l'extérieur du ring. Et attention parce qu'il y a Seth Rollins qui regarde de près. Et forcément, tu parlais, c'était sorti. Oh, attention, j'ai cru qu'il allait sauter. Oh, coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge sur Triple H. Attention, parce que tu es en train de taper la figure de l'autorité. Droite de Neville, encore une droite. Attention, il s'est repoussé tout ça. Mais il est envoyé. Mais il est énervé, Neville, il est énervé. Attention, la face à première. Ouh, sur la table des commentateurs. Et c'est recontré. Triple H qui envoie Neville contre le poteau. Oula, qu'est-ce qu'il fait de Game? Non, il va pas faire ça. On est juste revenu dans le ring. Et la droite à peine rentrée sur Neville. Mais Neville qui n'abandonne pas pour autant. Attention, Jawbreaker. Jawbreaker bien placé. Et on s'attaque. Ouf, à la jambe de Neville. Et attention, de Game. Oh. Allez, on va s'attaquer. Toujours, on va lui affaiblir sa jambe, son genou pour éviter d'autres manœuvres aériennes. Et beau match pour commencer ce Monday Night Raw. Et finalement, ça est ressorti. Attention, droite. Coup de pied, c'est esquivé. Ouh, c'est même contré. Neville standing. Non, pas standing moonsault, mais... attention, il a relevé. Tu parlais de attention. Excusez-moi, j'ai pas fini, mais... Qu'est-ce qu'il fait, Neville? Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, swinging. Elbow. Neville qui continue. Encore un standing shooting star press. Triple H qui se relève à peine. The Game. Ouf, la droite dans le dos. Attention, Neville. Neville, il va enchaîner avec une back suplex sur The Game. Droite qui était esquivée. Attention, le spinebuster de la part de Triple H qui enchaîne avec le tombé aussitôt. 1, 2 et non. Ça n'aura pas suffi. Triple H qui va y sauter dessus. Mais Neville,
l'a fait tomber d'une très moche manière, je dirais. Droite. Une droite, c'est chacun son tour. Chop par l'edge, non, c'est plus chacun son tour. Des droites sur Neville. Mais Neville qui a réussi à rattraper The King of Kings. Et la snap, suplex. Bien exécuté de la part de Neville. Attention Neville. Oh, le corkscrew moonsault, excellent. Et le tombé maintenant sur Chop par l'edge, le tombé. Hein. Et ça s'est relevé parce que là, heureusement. Et la droite sur Neville. Oh, attention, Chop par l'edge, il enchaîne. The game, the King of Kings. Pedigree sur Neville, pardon, et le tombé, 1, 2, et non, il s'en est relevé, Neville, qu'est-ce que c'est que cette rébellion? Droite de Chopper Edge qui continue, mais The Game aurait peut-être mieux fait d'arrêter, puisque Neville va enchaîner, regardez, Rollins qui aimerait bien intervenir, mais il ne peut pas pour l'instant, apparemment, un coup de genou, Chopper Edge qui est au centre du ring. Attention, et Neville sur la troisième corde. Neville, low, reverse 450 splash. Reverse 450 splash. Le tombé 1 et The Game qui se relève. Mais c'était pas loin, c'était pas loin du tout. Neville, la droite sur Triple H, sur un canrana. Magnifique démonstration de Neville qui va de l'autre côté des cordes. Attention, Neville, il est de l'autre côté des cordes. Neville, springboard 450. Oh, sur le dos de Triple H, et le tombé maintenant. Il faut s'en y relever de Game, mais c'était peut-être pas loin. Le coup de pied. Et Triple H qui envoie Neville de l'autre côté des cordes, la droite. Mais il s'est fait contrer. De Game s'est fait contrer, attention. Oh, il est revenu, mais non. Droite encore. Il a pas fini, hein, Triple H, il a pas fini. Et on envoie Neville dans le coin. Droite. Et encore une droite. C'est de la punition de la part de Triple H. Les Atemi encore. Encore un Atemi. Et The Game qui continue. Oui, il est sur la troisième corde. Attention. 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 Oh, Top Rope Butterfly Suplex. Neville en mauvaise posture. Et The Game qui continue sur la jambe. Sur la jambe du jeune loup. Et ouais, il commence à être très atteint à sa jambe. La Neville ne donne pas cher de sa peau, n'est-ce pas? Out. Neville qui se relève tout de même. La droite. Attention, Neville. Neville, reverse Frankensteiner sur The Game. Triple H. Et le tombé maintenant. Le tombé. Ah, oh, il s'en est enlevé. The Game. Heureusement. Attention, la droite. Et on envoie Triple H le long du coin. Qu'est-ce qu'il fait Neville? Que fait Neville? Coup de genou. Et on remet Chopper Edge dans la même position que tout à l'heure. Mais là c'est peut-être un Red Arrow qui va sortir du chapeau de Neville. Attention Neville sur le troisième corps. Neville. Oh, et il s'est fait attraper par Chopper Edge. Le pedigree à la volée. The Game. Pedigree sur Neville. Sur Neville. Et regardez The Game, il en a pas fini. Avec le jeune loup, il veut le punir. Il va le punir. Non, c'est contré. Ouf, la Témi. Regardez Neville. Lui, Neville, il va peut-être en avoir fini. Avec Triple H, il a eu le temps de se reposer. Incroyable du côté de Neville. Et Neville, coup de genou. Ouf, qui met Triple H au sol. Et Neville, il va peut-être finir. Il va peut-être en finir. Attention, Neville. Sur la troisième corde, Neville. Reverse 450 splash. Encore. Et là c'est peut-être terminé. C'est probablement terminé même, je dirais. Le tombé 1 de... Oh, The Game, The King of Kings, qui s'en est relevé finalement. Attention, coup de la corde à linge sur Neville. Ah, Neville, le saut carpé, le coup de la corde à linge. Et c'est la puissance des jeunes loups. Attention, calf kick du côté de Neville. Et le reverse, enfin pas reverse, mais corkscrew moonsault. Le tombé 1. Et Triple H qui se relève, c'est pas possible. Oh. Contrée. Coup de genou. Coup de genou. Voilà. The Game qui a failli connaître la défaite après avoir gagné le Rumble. Regardez, il continue sur les jambes. Sur la jambe de Neville. Il continue. Regardez la pression que ça donne. Mais Neville n'a pas l'air d'abandonner. Mais Neville a l'air de beaucoup souffrir. Et la droite de Neville qui fait lâcher la prise à Triple H. Attention, Neville
qui envoie The Game dans le coin encore une fois. Et attention, et s'il y a encore un Far 50 Splash ou un Red Arrow, je pense que c'est la fin pour Triple H. Mais il l'a mis au sol. Neville, il y va. Attention. Oh, Red Arrow, le tombé. 1, 2 et 3, victoire de Neville. Félicitations à Neville. Pour info, à chaque fois je dis ce que je voulais faire. Je voulais lui contrer le dernier finisher. C'est pour ça que je l'ai laissé me mettre au sol. Mais finalement, Neville n'a pas gagné le Rumble, mais il a vaincu Triple H. Mais attention, parce que The Authority n'aime pas trop perdre comme ça. Ça risque de mal finir, hein, tout de même. Mais Neville l'a quand même remporté. Il a subi deux pédigrés. Mais magnifique match, en tout cas, de la part de Neville et de Triple H. Et il y avait Rollins qui regardait au loin, finalement. Là, le Red Arrow final. On n'en a vu qu'un, finalement. Les deux autres, c'était des 450 Splash, des Reverse 450 Splash. Et magnifique Red Arrow qui a fini le match d'une belle manière. Bravo à Neville. Et je pense que là, dans les semaines à venir, il affrontera, je pense, Seth Rollins. Hein. Il aurait peut-être droit, je pense, à un match pour le titre intercontinental, sachant qu'il a battu la figure de l'autorité. En tout cas, on continue pour cette soirée. Allez, c'est parti. Le voilà, le prochain match. La revanche pour le titre par équipe, puisqu'ils n'ont pas défendu leur titre au Royal Rumble. Ils le défendront ce soir. Et on accueille tout simplement les champions par équipe, les nouveaux même, je dirais, champions par équipe depuis le temps. Cody Rhodes et Goldust, The Brotherhood. Mettre un peu de temps à arriver, mais c'est normal. C'est les champions, ils ont tout leur temps, évidemment. Les champions par équipe qui ont réussi à prendre le titre à CM Punk et Daniel Bryan, qui l'avaient gardé depuis un bon moment. Ceci s'était passé, c'est passé au Royal Rumble, pardon. Et du coup, il y a la revanche ce soir. Ça n'aura pas lieu à l'Elimination Chamber. Maintenant, à eux de réussir à les garder. Ça va être plus dur. Et Goldust, toujours un peu agressif, hein, c'est normal. Petite défense de titre ce soir. Ce serait dommage d'avoir eu un reign d'un seul jour, finalement. Ils ont gagné hier soir et maintenant à voir s'ils peuvent le garder, leur titre. On va accueillir les challengers et anciens champions tag team, évidemment, une des équipes les plus aimées actuellement dans l'univers de la WWE. Il s'agit tout d'abord du Best in the World, The Chicago Made, CM Punk. Ancien champion de la WWE de l'année dernière et ancien champion par équipe, évidemment. Il a même déjà tenu les deux ceintures en même temps lorsqu'il était en équipe avec Daniel Bryan et avait affronté aussi Daniel Bryan en même temps en étant pour le titre de la WWE. Donc c'était la période post-WrestleMania de l'année dernière. Donc finalement, c'était une bonne période aussi. CM Punk arrive et on va accueillir son acolyte, évidemment. Je ne parle pas de Farouk ou Bradshaw, mais évidemment du seul et unique leader du Yes Movement, l'American Dragon, Daniel Bryan. Et le public qui s'enflamme. Ça y est, on est parti. Le Yes Movement est reparti. Ils ont peut-être perdu hier, mais ce soir, ils peuvent réparer leurs erreurs. Daniel Bryan vient rejoindre CM Punk. Les deux rivaux vont combattre pour le titre par équipe, évidemment. Les titres par équipe. Excusez-moi. Il arrive sur le ring. Comme d'hab, je laisse un peu plus longtemps quand c'est un match pour les titres. Daniel Bryan est arrivé très motivé à récupérer ses ceintures. Maintenant, le plus dur reste encore à faire parce que il y a toujours aussi l'avantage du champion. Hein. L'avantage du champion, c'est-à-dire qu'en cas de disqualification ou de décompte à l'extérieur, une ceinture ne peut pas être gagnée. C'est pour ces titres que je qualifierais Hermès, le titre par équipe de cuivre, L'arbitre va présenter des ceintures aux challengers Bryan et Punk et aux champions qui viennent de lui donner Goldust et Cody Rhodes.
Belle ceinture, hein, tout de même, d'ailleurs. Voilà. The Brotherhood et The Best and the Beard. Et on va être parti pour ce match. Avant ce gros main event, hein. Lesnar, Cena. Let's go. CM Punk face à Goldust qui nous quitte immobile. Attention. Ouh, Shining Wizard direct. Et le Running Bulldog. Et ça commence mal, hein, pour Goldust. Ça commence très mal, des coups de pied. Et il se relève. Et Goldust qui l'a contré. Coup de la corde à linge sur CM Punk. Coup de pied. Attention. Attention. Directement sur la face. Je précise que dans les prochaines semaines aussi, nous saurons qui sera dans l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE. Pour l'instant, il y a forcément Brock Lesnar et John Cena, puisque je l'ai dit, le King of the Ring aura le droit d'aller à l'Elimination Chamber. Il y aura sûrement The Rock s'il utilise sa revanche là-bas. À moins qu'il l'utilise dans les semaines à venir, je ne sais pas encore. En tout cas, ça risque d'être beau comme Elimination Chamber. Superplex. Excellent. Côté de Goldust, coup de pied. Puis encore. Goldust qui va changer de partenaire. Tout comme CM Punk. On passe à Cody Rhodes, Daniel Bryan. Attention, Cody Rhodes. Cody Rhodes, scoop slam. Ouf, avec le bras bloqué derrière. Pied. Attention, attention, attention. Attention, dropkick. Excellent de la part de Daniel Bryan. Bien géré. Du côté de l'American Dragon. Qui relève. Attention. Et back suplex. Et Bryan qui demande l'appui du public, toujours. Toujours très près du public, Daniel Bryan. Mais ce coup-ci, ça ne suffira pas. Le scoop slam. Un fourchement, plus précisément, il est tombé assez tôt dans le match. Même pas un. Bryan qui se relève difficilement. Ouh, la droite. Mais c'est revenu. Il y a un retour là, coup de pied. Coup de pied encore. Coup de pied. Coup de pied de la droite. Oh, un kick. La Cody Rhodes. La Cody Rhodes, moi je dis. Attention, Daniel Bryan. Bryan est parti avec sa souplex. Ouh, si singulière. Bryan toujours. Toujours assez motivé. Hein. Et on repasse la main à The Best in the World. CM Punk, belle équipe, hein, mine de rien, entre de ces deux hommes. Oh, et Cody Rhodes avait vu venir. Avait vu venir CM Punk. Attention, Cody. Attention. Oh, il est parti. Back souplex. Parfaitement exécuté sur le challenger. Attention Cody, le coup de pied dans le dos de CM Punk. Pied dans le dos, bordel. On relève CM Punk, attention. Et encore une fois, une back souplex de Cody. C'est à croire qu'il adore cette prise. Et encore un coup de pied dans le dos. Il veut détruire le dos de CM Punk, apparemment. Bon, attention, c'est contré. Coup de la corde à linge de CM Punk. Qui se retrouve de l'autre côté des cordes. Attention CM Punk, Cody Rhodes se relève, CM Punk, oh la droite, non, qui n'a pas touché. Ok d'accord, ça sert à rien, c'est génial. Oh la droite, attention, springboard, dropkick qui n'a pas touché. Coup de pied, non, qui n'a pas touché non plus, c'est un peu l'orgie. Mais du coup c'est Goldust qui en revient, forcé, attention, coup de pied prend d'élan. Et la droite sur la face. Goldust, la fraternité, hein, qui a l'avantage. Et... oh. Pied assez bas quand même, hein, le coup de pied. Attention, attention, monsieur Goldust. Unity esquivée. Passion Extreme. Belle manière, attention. Oh, dropkick qui n'a pas touché. Goldust est clairement là, la droite de Goldust. Et Goldust qui envoie CM Punk dans le coin. Attention, il met sur la deuxième corde. Bulldog! Très très bien exécuté de la part de. Oh, attention, CM Punk, il s'est relevé. CM Punk. Middle kick. Et on envoie Goldust sur les cordes. Attention, calf kick. Et un deuxième du côté de CM Punk. Et il est esquivé. Le swinging neck breaker de la part du best in the world, CM Punk, qui monte maintenant sur cette troisième corde. Attention à Cody Rhodes. Attention à Cody Rhodes. Et la descente du coude de CM Punk. Et CM Punk, oh, il enchaîne, Anaconda Vice de CM Punk. Regardez la pression. Imaginez perdre les titres là-dessus alors qu'ils avaient le match en main il y a quelques secondes, quelques minutes. Les coups de pied de Cody Rhodes, on l'a vu, on l'a tous vu. Et CM Punk, coup de pied, CM Punk s'attaque à Cody, CM Punk, dropkick qui n'a pas éjecté Cody. Oh, et par contre, Goldust s'attaquait
à Daniel Bryan. Et dans le coin, et finisher de la corde, attention, on l'a déjà vu, souplex, oh, souplex aidé, et le tomber maintenant, c'est ce qui a mis fin au match hier, et heureusement Daniel Bryan s'est interposé, coup de pied de Cody Rhodes tout de même, c'est esquivé de la part de CM Punk qui est renvoyé quand même dans le coin, dans son coin, attention, il s'est esquivé, il a réussi à repousser, maintenant on passe la main à The American Dragon, Daniel Bryan, et Daniel Bryan s'est fait attraper par Cody, et une back souplex habituelle du côté de Cody Rhodes. Bryan qui se relève difficilement. Attention, Daniel Bryan. Ouh, le low kick. Et on enchaîne avec plein de coups de pied sur le buste de Cody Rhodes. Aïe. Cody un petit peu touché là quand même. On l'envoie dans le coin. Attention, Daniel Bryan qui met Cody sur la troisième corde là. Là, c'est mauvais signe. Droite. Encore une droite. Attention, Cody. Il a repoussé Daniel Bryan. Cody. Cody attrapé par Daniel Bryan. Yes lock. Yes lock de Daniel Bryan. Yes lock. Yes lock. Oh, attention, heureusement que c'était à côté des cordes parce que là, ça aurait été très dangereux. Très dangereux. La droite de Daniel Bryan. Coup de pied. Encore coup de pied. Ouf. Il est dans les cordes. Dropkick. Cody Rhodes passe par-dessus la troisième corde. Et ça n'a pas marché ce coup-ci. Attention, Daniel Bryan qui a sauté sur Cody Rhodes à l'extérieur du ring. Et là, par contre, il a Goldust, forcément, qui renvoie Bryan dans le ring. Histoire d'éviter d'autres mésaventures, n'est-ce pas? On a 3. Et Cody Rhodes est arrivé. Attention. Daniel Bryan, oh, attention, il l'a chopé. Alabama Slam. Hardcore Holly représente le tombé 1. Et ouh, qui fut un petit peu le mentor de Cody Rhodes à ses débuts à la WWE. Attention, Cody qui renvoie Daniel Bryan dans le coin. Oui, Cody. Oh, il est parti, Cody. Il est parti encore. Cette souplesse aidée. Oh, le choc de la souplexe. Finisher de la fraternité. Le tombé. Non, Daniel Bryan s'en est relevé, mais c'était pas loin. Attention, Goldust qui relève Daniel Bryan. Et Bryan qui contre Goldust d'une belle manière. Mais c'est contre sur contre, tout simplement. Et Goldust qui renvoie Bryan dans le coin. Et c'est Bryan qui met Goldust. Et coup de pied, c'est contre sur contre, je vous l'ai dit. Et Bryan, le petit paquet, le tombé. Lui, c'était dans les cordes. Attention tout de même. On envoie Goldust. Et Bryan qui l'a mis sur la troisième corde. Bryan qui monte. Attention, top rope. Rock'n'Rolla. Oh, et Goldust qui se relève presque aussitôt. Goldust, claqueur de linge. Goldust, les champions par équipe. Et il a esquivé. Et le Power Slam de Goldust. On relève The American Dragon, Daniel Bryan. Goldust qui renvoie Daniel Bryan dans le coin. Oh, une nouvelle fois, mais ce coup-ci c'est sur Bryan. Bulldog. Bien exécuté. Le tombé maintenant. Le tombé 1. Simplement 1. Daniel Bryan assez touché là. Attention relève Bryan. DDT s'est esquivé. Et un breaker. Et attention Cody. Goldust s'est relevé. High kick. Et on repasse la main à The Best in the World, CM Punk. Attention, CM Punk, et CM Punk qui s'est fait contrer à peine rentré. Russian X Whip, coude, le middle kick qui ramène Goldust dans le coin. Et CM Punk qui continue. Ouf, Tsukuri. La droite, CM Punk qui monte. CM Punk, oh, attention, CM Punk, on l'a déjà vu faire ça. Second rope, pedigree. Assez spectaculaire. CM Punk qui renvoie Goldust, le second rope pedigree hein, quand même. Attention, ouh, Shining Wizard et le coup de la corde à linge. Et on les connaît, hein, on connaît leur enchaînement à CM Punk et Daniel Bryan. Oui, CM Punk il est prêt, hein, il attend Goldust, il veut récupérer les titres par équipe. Et ça va peut-être être maintenant. Et il a Goldust sur les épaules. Goldust, le GTS, go to sleep. Et Goldust, blessure ouverte, encore une fois. Et on passe la main
à The American Dragon, Daniel Bryan. Et Goldust. Oh, et Goldust qui se relève déjà. Mais Daniel Bryan, il est près Daniel Bryan. Daniel Bryan. Oh, heureusement, Goldust s'est écarté juste avant. Et on envoie Goldust. Coup de pied dans le coin. Il s'est écarté juste avant. Et regardez, Bryan, énervé, comme un chien fou là. Des coups de pied. Ouf. Attention. Et heureusement qu'il s'est écarté, hein, Goldust, parce que c'était fini. Hein. GTS, Bouzaï Kuniki, et c'est fini. Attention, Goldust, il est mis à l'envers. Daniel Bryan, dropkick. Ouais, Daniel Bryan, il est survolté. Coup de la corde à linge. Et non, il s'est fait piéger un petit peu par Cody Rhodes. Et Cody qui va s'en occuper, du coup, il a tellement raison. Coup dans le dos de Daniel Bryan. Attention, et on renvoie le challenger. Regardez Goldust complètement détruit. Ouf, pic pout sur la face. Et Daniel Bryan s'est fait un petit peu avoir là. Il s'est fait un petit peu avoir, il a été trop sûr de lui. Et le tomber maintenant. Le tomber, ça pourrait finir sur le tomber. Non, Daniel Bryan s'est relevé. Mais c'était pas gagné d'avance. Attention. Attention, Bryan. Ouf. Le coup de genou de Goldust. Goldust. Qu'est-ce qu'il fait, Goldust? Attention. Attention, Goldust. Qu'est-ce qu'il fait? Il relève Daniel Bryan. On ne sait pas, il fait des trucs, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On remet Daniel Bryan dans le coin. Et on passe la main à Cody Rhodes. Cody sur la troisième corde. Et on l'envoie, le crossbody aidé. Attention, Cody Rhodes. Cody Rhodes, springboard crossbody, c'est esquivé. Oh, attention, il s'est relevé. Coup de la corde à linge de Cody Rhodes. Coup de la corde à linge encore. Et il a esquivé Daniel Bryan. Quelle soirée, hein. Attention, Taylor Royal backbreaker de Cody Rhodes. Cody qui relève Daniel Bryan. Cody, et il enchaîne encore une fois le Alabama Slam. Pas évident à utiliser cette prise de tomber. Daniel Bryan s'en est relevé, mais c'était pas loin. Daniel Bryan, faut qu'il passe la main. Et Bryan, faut qu'il passe la main. Attention, Cody. Cody, il est envoyé dans les cordes. Et on l'envoie en l'air. Oh, magnifique. Magnifique retournement de situation. Yes, lock sur Cody Rhodes. Et Cody qui abandonne. Oh mon Dieu. Cody qui abandonne. Et je pense qu'il allait mettre le crossroads et nouveau champion par équipe. En les personnes de CM Punk et Daniel Bryan. Félicitations. Et regardez, l'Anaconda Vice qui n'a pas réussi à faire abandonner Goldust. En même temps, c'était assez tôt dans le match, mais c'était un beau match. Moi, j'ai adoré ce match. Et il y aura forcément une belle, parce que les deux équipes ont une victoire chacune. Donc je pense qu'il faut absolument départager les équipes. Et là, c'est vrai, c'était pas le premier Yes Lock, c'était le deuxième. Donc là, on voit pas trop ce qui se passe. Je comprends pas où c'est qu'on était extérieur du ring. C'est pas trop intéressant. Et là, on va voir, regardez. Il était sûrement parti pour le crossroads. Il a été envoyé dans les cordes. Hop, je t'envoie en l'air. Yes Lock, hop, était piégé. Et ça a mis un petit peu de temps, mais Goldust n'a pas eu le temps de venir. Regardez la pression. Et là, on va le voir taper, tac, 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 juste devant son frère. Mais Goldust n'a rien pu faire. Nouveau champion par équipe, The American Dragon and the best in the world, Punk et Bryan. Félicitations à eux. Et je pense qu'on aura un match entre ces deux équipes, un dernier match à Elimination Chamber, pour les titres par équipe, évidemment. Est-ce que ce sera... Non, ce sera pas là. Je réfléchis où le mettre. Mais oui, on aura le revanche. Et maintenant, on va passer, mes chers amis, après un changement de titre, on va passer au main event de Beast Incarnate, le champion de la WWE, le nouveau champion de la WWE, face au King of the Ring et champion extrême, John Cena. A tout de suite. Et le voilà, le main event de ce soir, le King of the Ring, John Cena, face au champion de la WWE, Brock Lesnar, évidemment. Gros match en prévision. Les deux hommes participeront à l'Elimination Chamber maintenant. Quel sera le résultat de ce soir? On accueille tout d'abord le champion extrême, mais aussi et surtout le King of the Ring, avec une nouvelle tenue faite à l'arrache. Lui qui a vaincu Sami Zayn dans un beau match, dans un match difficile. Le champion extrême, bon, on voit pas, mais c'est marqué The King is here. Évidemment, John Cena, que j'ai remis en couleur blanc, noir et or. John Cena a un accomplissement de plus, c'est devenir le King of the Ring, le King de la WWE. Donc finalement, c'est peut-être ce qui lui manquait, la seule chose qui lui manquait. John Cena va affronter ce soir un gros défi. Ce serait une énorme performance que de battre le fraîchement couronné champion de la WWE finalement.
de voilà, machine. Vous voyez, j'ai fait le t-shirt un petit peu dans, le même genre qu'ils font. Hein. The King is here, tout ça. John Cena regarde son titre, mais il aimerait bien avoir le titre qui va arriver. On va le voir tout de suite. Attention, accrochez-vous. C'est un champion versus champion match, évidemment. Et on accueille, enfin on attend maintenant celui qui se fait attendre, accompagné de Paul Heyman. The reigning, defending, undisputed WWE Champion of the World, the Beast Incarnate, Brock Lesnar, évidemment. Le voilà, lui qui s'est débarrassé de Rock, qui a, j'ai envie de dire, puni de Rock, même si de Rock s'est quand même défendu, hein, il s'est quand même bien défendu, mais même un Rock Bottom, un People's Elbow ne sont pas venus à bout de 3 F5 dans la face pour terminer de Rock et reprendre le titre qu'il avait perdu à cause, je dis bien à cause, de Randy Orton et de son Money in the Bank. Brock Lesnar face à John Cena une nouvelle fois. Les deux hommes ont une ceinture. Les deux hommes sortent d'une belle victoire. Mais les deux hommes aimeraient bien gagner ce soir et c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Brock Lesnar, John Cena. Attention. Lesnar, Cena. Les deux en noir et blanc. On est parti. Entre les deux hommes. Cena qui bouge pas. Attention. Sherman Suplex. Suplex City, bitch. Suplex City. Brock Lesnar marque un point. Brock Lesnar marque un point. Attention, John Cena s'est relevé. Brock Lesnar encore une fois. German Suplex. Brock Lesnar. Il est clairement là. Brock Lesnar, depuis qu'il est revenu là, il est clairement là. Attention, encore une fois. Encore. German Suplex. Brock Lesnar qui a battu l'Undertaker dans un tables match, je le rappelle. Attention, John Cena s'est relevé. On envoie John Cena dans les cordes. Et encore German Suplex. John Cena se relève, John Cena se relève, et la droite, John Cena est dans les cordes, coup d'un quart de là, John Cena éjecté à l'extérieur du... Regardez, mais Brock Lesnar quoi, Brock fucking Lesnar, qui s'en va à l'extérieur du coup, va rejoindre John Cena qui met des coups de coude, qui revient, John Cena, faut qu'il revienne, coup de pied de John Cena, la droite, attention, il enchaîne de champ, et You Can't See Me Punch qui fait chuter le champion de la WWE. On relève Brock Lesnar. Attention. Oh, coup de genou. Lesnar qui est envoyé. Je ne sais où. Non, il est revenu. Et regardez, il a vu John Cena. Coup d'acteur d'Alain. Je vois la rapidité. C'est ça qui est incroyable avec Brock Lesnar. C'est qu'il est extrêmement rapide pour le poids, pour les muscles qu'il a. John Cena se relève à peine. Attention, il a été esquivé, Brock Lesnar. Et on envoie The Beast Incarnate dans le coin. Durement. John Cena, belly to belly, suplex. Excellent. John Cena montre aussi que c'est pas n'importe qui est en face. Hein. Oh, qui sort de l'avant-bras là. John Cena, attention. Brock Lesnar en difficulté apparemment. Et DDT. Et non, c'est une suplex. C'est contré. Oh, la droite d'abdomen. Attention, oh, il enchaîne John Cena. DDT s'est encore esquivé. Armbreaker de Brock Lesnar. Droite. Qui n'a pas touché. Et Brock Lesnar qui enchaîne encore avec des German Suplex. Mais là, c'est les Three Amigos. Et encore la German Suplex. Incroyable Brock Lesnar. Incroyable Brock Lesnar. De toute façon, là, c'est vrai que c'est The Beast Incarnate à l'état pur. John Cena s'enlève, a encore sonné. Et Brock Lesnar, déjà, le F5. Et imaginez, John Cena est déjà battu. Imaginez, le tomber 1, 2, sauvé. Il y a probablement que l'Elimination Chamber qui peut reprendre le titre des hanches de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui continue à asséner John Cena de droite. Et on envoie John Cena. Attention, coup de la queue. Non mais là, c'est de la punition aussi, quoi. John Cena se relève difficilement. Et encore, German Suplex. Oh, John Cena surlevé, énervé, shoulder block. John Cena, il est parti pour la combinaison de 5 moves of doom. Attention, coup de cœur d'un, c'est esquivé. Spin out, powerbomb. The champ is here. Et regardez, il est parti, John Cena. Il est parti sur Brock Lesnar. You can't see me. Et on prend l'élan, le 5 knuckle shuffle. L'énergie que ça fait perdre d'ailleurs, en passant. Et le tomber maintenant sur Brock Lesnar, le tomber, hein. Non. Brock Lesnar se relève difficilement.
Brock Lesnar se relève, attention, John Cena, attitude adjustment, double A. Et le tombé, mais Ponyman n'est pas d'accord. Ponyman s'en relève. Ponyman intervient sur l'arbitre, coup la corde à linge. Et du coup, ça a permis à Brock Lesnar de se relever assez facilement. Attention Lesnar, Lesnar qui fait de la place sur la table des commentateurs. Et là, ça devient très dangereux pour John Cena. Parce qu'on le sait, The Rock est passé deux fois par Brock Lesnar à travers la table des commentateurs. Et John Cena, il vient à l'extérieur du ring, c'est peut-être l'erreur qu'il a fait. Ouf, suplex. Pied. Incroyable. Et John Cena est encore pris dans les German Suplex. Je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Attention, la troisième encore. German. Brock Lesnar. Toujours à l'affût. Toujours là. On est à 4, il essaie Brock Lesnar. Faut reset un petit peu le compte. Voilà, Brock Lesnar est revenu. Attention, John Cena se relève maintenant. King Lawler et Michael Cole sont poussés parce qu'ils savent. John Cena, il a peut-être échappé là. Ouh, un breaker, excellent. De la part de John Cena. À droite. C'est repoussé quand même. Le coup de pied. La droite de John Cena. John Cena qui combat pour sa vie, le DDT. Coup de pied de John Cena. On relève. Brock Lesnar. Lesnar qui est sonné alors que John Cena revient dans le ring. Quel match. Attention. Attention, attention. Et voilà, il s'est fait avoir par Brock Lesnar. John Cena s'est fait avoir par Brock Lesnar. Attention, attention, Brock Lesnar. Brock Lesnar, Kimura Lock. Kimura Lock sur Dutch Champ. Regardez la tension sur le bras. Oh, sur le bras de John Cena. Et John Cena, regardez. On sent que sa force. Et John Cena, il a pas l'air de beaucoup pouvoir s'en échapper. Et Polyman qui regarde, qui est très content, il applaudit. Regardez la torsion du bras, regardez-moi ça. Imaginez le premier à faire abandonner John Cena. Enfin, le premier non, mais d'après la WWE, oui, on va dire ça comme ça. Droite. Et regardez-moi ça, les deux hommes. Oh, ils s'en donnent à cœur joie l'un contre l'autre. Et John Cena, le neck breaker. The Beast Incarnate s'est relevé, presque rien senti. Coup de coude. Coup la corde à linge. Brock Lesnar énervé comme pas possible. Attention, le surpassement sur The Champ et le Spine Buster. Il relève John Cena. Et Brock Lesnar n'en a pas fini avec John Cena. Regardez-moi ça. Le premier powerbomb. Et le deuxième powerbomb. Et le troisième powerbomb. Brock Lesnar est un monstre, c'est vraiment ça, c'est vraiment un monstre quoi. C'est vraiment un monstre, même dans le jeu c'est un monstre. Attention, et on envoie John Cena à l'extérieur du ring, on sait pourquoi, on l'a vu tout à l'heure. C'est la table des commentateurs, attention tout de même. Et on envoie John Cena contre cette table des commentateurs. Et Brock Lesnar va faire tout comme The Rock. Attention, il a John Cena sur les épaules. Brock Lesnar, le F5 à travers la table. Ouh. Ah, The Beast Incarnate. Complètement sous contrôle. On est à 5. Forcément, il va falloir faire revenir John Cena. Hein. Brock Lesnar, coup de pied sur le dos. Histoire de dire quoi. Droite. Et on renvoie John Cena. John Cena complètement détruit. Ouh. Droite sur le domaine. Oh, big boot. Brock Lesnar revient dans le ring calmement. John Cena vient de passer à travers une table. C'est à rappeler. Pied, c'est esquivé. Attention, John Cena. Double A. De nulle part. Le double A. Oh, le tombé, mais Polyman est là. Polyman. Oui, du coup, Brock Lesnar a réussi à s'en relever. Heureusement. Heureusement que Polyman était là, attention. Oh, magnifique esquive de John Cena. Oh, attention à la droite. C'est Brock Lesnar qui a repoussé John Cena. Attention, German Suplex. Et encore une German Suplex. Deux double A ne sont pas venus à bout de Brock Lesnar qui arrive quand même à être épuisé. Et John Cena est au sol. Quel match. Un match qui n'est même pas terminé. Par contre, Brock Lesnar attend.
attend John Cena avec impatience. Il attend John Cena avec impatience. Il a sur les épaules. Brock Lesnar, le F5. The King is no more. Et le tombé. John Cena saigne en plus le tombé. 1, 2 et 3. Ouh là 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 là. La grosse victoire. Même si John Cena a montré un énorme potentiel forcément. Mais The Beast est le champion de la WWE. Est réellement le champion et a bien sa place. Ouh, on a vu combien de German Suplex. Il y en a un qu'à compter franchement. Ah là là. Et le tombé. Là c'est la première. Mais le premier F5. Mais qui n'a pas suffi. Il y en a eu un deuxième. Ah oui, le Kimura Lock aussi. Il y en a eu un deuxième sur la table des commentateurs. Et là, le double A, par surprise, inattendu, on va dire ça comme ça. Et regardez, Polyman a aidé son client. Et là, le dernier F5, après les multiples German Suplex. Pfiouf, bravo à John Cena, mais surtout bravo à Brock Lesnar. Le King of the Ring s'est fait avoir. Il saigne un peu d'ailleurs. Mais le King of the Ring reste le King of the Ring finalement. Et aura le droit à un match de championnat tout de même, je l'ai dit, c'est celui qui arrive King, il a le droit à un match de championnat à l'Elimination Chamber. Et bien ce sera à l'Elimination Chamber, il y aura John Cena face à Brock Lesnar, peut-être face à The Rock, et on connaîtra les autres participants dans les semaines à venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve dans la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je précise aussi qu'il y aura le... Forcément, je fais un peu comme en vrai aussi, c'est-à-dire que John Cena Open Challenge, Extreme Open Challenge, hein, la semaine prochaine, John Cena doit défendre son titre face à Sami Zayn, puisqu'ils se sont affrontés dans King of the Ring, il y aura une petite revanche pour le titre ce coup-ci. Allez, je vous dis à la prochaine fois, en attendant, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo. Salut !